Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'intitule Veille sur moi, petit ange. Dieu t'aime tellement qu'il t'a donné un ange. Un ange rien que pour toi. Il l'a appelé parmi tous les anges du ciel qui se tiennent devant Dieu et l'adorent. Depuis la nuit des temps, il t'attendait. Quand tu étais grand comme un petit grain de sable dans le ventre de ta maman, il veillait sur toi. Et depuis le beau jour de ta naissance, ton ange est là, près de toi, et il ne t'abandonnera jamais. Tu es si précieux aux yeux de Dieu qu'il a chargé ton ange de te protéger. Ne crains rien. Tu es à l'abri, à l'ombre de ses ailes. Quand tu joues, il garde tes pas. Quand tu sors dans la rue, il vient avec toi. À l'école, tu n'es pas seul. Sans maman et papa, ton ange est là. Il te souffle des bonnes idées. Il t'aide en secret. Quand tu vas à la messe, il t'accompagne et veille sur ton cœur. Et même quand tu n'es pas sage, il reste avec toi. Il est si patient comme Dieu avec toi. Le soir, tu t'endors, tes paupières se ferment, et lui, il pose son regard sur toi et il prie dans le silence. Ton ange ouvre le ciel pour toi. Il porte tes prières à Dieu comme un bouquet. Puis ton ange descend les bras chargés de grâce. Ce sont des cadeaux de Dieu pour toi. Car Dieu sait exactement ce qu'il te faut pour ton cœur, de la patience, de la sagesse et du courage. La Bible raconte l'histoire d'un jeune homme, Jacob, qui voit en rêve une échelle monter haut dans le ciel. Des anges y montent et y descendent. Ils voyagent entre le ciel et la terre. Ce sont des messagers. Aimes-tu la caresse du vent sur ton visage? Sa fraîcheur te fait du bien, mais tu ne le vois pas. Ton ange non plus, tu ne le vois pas, car il est invisible. Dieu, source de vie, l'a créé esprit. Il n'a pas de corps, il ne mange ni ne dort. Pour lui, pas d'école. Il est déjà rempli de la sagesse divine. Alors il a tout le temps pour Dieu, pour l'aimer, le prier, le servir. Quelle joie pour l'ange d'obéir à Dieu. L'amour de Dieu lui donne des ailes pour te consoler, te guider et t'encourager. Il t'a peut-être déjà fait une surprise ou sauvé d'un danger. Ton ange brille pour toi comme un éclat de la lumière de Dieu, comme un reflet de sa beauté et de sa douceur. Ton ange gardien est unique comme toi. Chacun en a un, bien à soi, ton papa, ta maman, ton petit frère et tes amis. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont un ange gardien. Et ceux qui choisissent de faire de mauvaises choses dans leur vie aussi, parce que Dieu aime chacun d'entre nous et désire rassembler tous ses petits autour de lui. Ton ange veut te conduire au grand bonheur du ciel avec Jésus. Ton ange te connaît depuis que tu es tout petit. Il te voudra toujours du bien. Comme à un ami, tu peux lui dire bonjour le matin, lui raconter ta journée, tes joies et tes soucis. Tu peux lui demander conseil. Si tu es triste quand tu as peur, appelle-le. Il t'apportera la consolation de Dieu. Si tu as de mauvaises idées, prie-le. Il t'inspirera des idées qui viennent de Dieu. Quand tu es en colère contre ton frère, tu peux lui demander d'aller parler à son ange gardien. Ils partageront la paix de Dieu. Écoute ton ange et tout ira mieux. Les anges ne s'arrêtent jamais de chanter Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi aussi, tu peux penser à Dieu pendant la journée, le remercier, le chanter. Écoutez sa parole.
te faire tout petit devant lui dans la prière. Tu peux devenir un ange pour les autres, leur apporter la paix, la joie, être pour chacun un petit rayon de soleil de Dieu. L'Église tout entière fête les anges gardiens le 2 octobre. N'oublie pas de faire un clin d'œil à ton ange ce jour-là. Chaque jour, tu peux lui dire dans le secret de ton cœur cette belle prière. Ange de Dieu, mon gardien, Dieu si bon m'a confié à toi. Apprends-moi à prier, éclaire-moi dans les difficultés, défends-moi de tout mal. Montre-moi le chemin du ciel et conduis-moi vers Jésus. Amen. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence et écoute sa voix. Exode chapitre 23, versets 20 et 21. Merci d'avoir écouté cette histoire, les enfants. À bientôt!